Bonjour Olivier Louis, donc vous êtes le maître de stage d'Alexia. Bonjour. Pouvez-vous me parler un peu de votre structure ? Voilà, on est ferme d'animation en Belgique, il y a une quinzaine de fermes d'animation en Wallonie et à Bruxelles. Maintenant il y en a peut-être un peu plus parce que c'est quelque chose qui a le vent en poupe. Et on accueille principalement du public de classe verte, du public handicapé, tout type de public qui en fait... sortes d'activités qui tournent autour des animaux de la ferme et le rapprochement avec le vivant. On est aussi centre nature, on organise une série d'activités dans la forêt, à la rivière ou partout tout autour de la ferme. Et enfin on est centre d'hébergement où on peut accueillir 55 personnes en hébergement et qui peuvent participer aux activités de la ferme ou visiter la région accessoirement. Voilà. Donc Alexia, tu es donc en BTS GPN. Et tu fais ton stage ici en Belgique. Est-ce que tu peux m'en parler un peu de ce stage ? Alors oui, c'est un stage en ferme d'animation. Donc le but, c'est vraiment l'animation pour le public. Donc généralement, le matin, nous faisons les soins aux animaux. Et puis après, nous pouvons soit faire l'animation mare, donc chercher les différentes petites bêtes de la mare, ou du ruisseau, où on fait aussi des balades castor. Donc le but, c'est de retrouver les traces du castor, voir dans quelle maison ils vivent, comment ils se déplacent et qu'est-ce qu'ils mangent. Nous faisons aussi des balades dans la nature ou des animations poneys. Et comment se passe cette première expérience en Belgique ? Alors, elle se passe très très bien, j'ai été très bien accueillie. L'environnement et le paysage est très très beau. Est-ce que tu loges sur place ? Oui, je loge sur place. D'accord. Ben, merci Alexia. Donc, est-ce votre première expérience pour accueillir des jeunes stagiaires françaises ? Non, pas du tout. On en a déjà eu plusieurs et ce ne sont pas forcément les Français, mais ça s'est toujours très bien passé avec eux. D'accord. Pas de problème. Merci beaucoup. Bonjour Sophie. Bonjour. Donc tu as décidé de faire tes deux stages en grande région, donc en GPN. Peux-tu me parler de ces stages ? Donc le premier s'est déroulé en Belgique, au parc naturel de Gaume. Peux-tu m'en dire davantage ? Alors j'avais pour mission de faire un plan d'action sur Prunus serotina, qui est un cerisier invasif. Alors j'ai dû contacter des acteurs du territoire pour travailler sur sa localité, sa réglementation et ses moyens de gestion. Voilà. Merci. Et donc ça, c'était en Belgique. Oui. As-tu des choses à me dire sur les Belges, des petites anecdotes, ta vie en Belgique par exemple ? Ils font des très très bonnes frites. Oui. Par contre, il ne faut pas prendre la grosse barquette. Hein, parce qu'une grosse barquette, c'est le triple d'une grande barquette en France. Mm-hmm. Du coup, voilà, des bonnes bières aussi. D'accord. Traditionnelles. Merci. Et sinon, merci. Super sympa. D'accord. Et donc, tu as décidé de faire ton deuxième stage au Luxembourg, chez Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Pourrais-tu nous parler de cette structure ? Tu es donc le directeur, si j'ai bien compris. Pourrais-tu nous parler un peu de cette structure ? Donc, la structure, c'est le centre Hollenfels, Service national de la jeunesse, qui dépend du ministère de l'Éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse. Et donc, c'est une structure qui travaille dans l'éducation et le développement durable. On accueille environ 10 000 élèves par année ici, au centre. Et on fait des activités, une cinquantaine pour le fondamental et une cinquantaine pour le secondaire, autour des sujets de l'éducation au développement durable, donc nutrition, découverte de la nature, sciences naturelles, tous ces domaines-là. Sophie, tu fais donc ce deuxième stage au Luxembourg chez Michel. Donc, en quoi consiste cette période de stage ? Alors, je dois valider deux expériences professionnelles, dont une, je dois créer mon animation qui va porter sur les plantes comestibles. Et la deuxième, je dois reprendre une animation qui est déjà faite à Hollenfeld. Et là, je vais reprendre l'animation abeille. D'accord. Et tu peux me parler un peu de tes activités quotidiennes ? Qu'est-ce que tu fais à Hollenfeld dans ce beau château ?
Alors, j'accompagne les animateurs déjà en animation, voir un peu comment ça se passe, voir aussi les différentes animations qu'il y a, faire de l'expérience professionnelle. Et aussi, je travaille sur mon animation, toute la préparation des outils pédagogiques. Bonjour Eric. Bonjour Catherine. Donc, tu accueilles Sophie, stagiaire de Pixericourt en GPN, en animation. Quel type d'activité fais-tu habillée comme ça avec Sophie? Nous allons faire l'activité de paysage fortifié avec des classes de primaire. C'est-à-dire qu'on va un petit peu essayer de les emmener au Moyen-Âge, leur expliquer comment les gens vivaient, comment le paysage a évolué, pourquoi un château ici, combien de temps ça dure pour construire un château, combien de gens vivaient au château, de quoi vivaient-ils, en temps de paix comme en temps de guerre, etc. etc. Et puis oui, il y aura des essayages d'armure et de combat à l'épée, c'est sûr. Michel, c'est ta deuxième stagiaire du lycée de Pixericourt. Donc Sarah, en BTS-GPN, était également en stage chez toi. Peux-tu me parler un peu de ses activités? Donc Sarah a essentiellement travaillé sur la ferme pédagogique que nous gérons au Marienthal. Et donc elle a travaillé sur la transformation des produits laitiers. Et donc elle a développé une activité que dès à présent on utilise pour nos stages sur la ferme pédagogique. Merci. Merci aussi.